Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Les actions des mineurs de crypto-monnaies sont en plein essor alors que le Bitcoin prolonge ses gains et que le hash rate chute, ce qui contribue à maintenir les marges bénéficiaires élevées. Les actions mondiales se sont maintenues juste en dessous des records tandis que les indices européens ont légèrement baissé, les investisseurs se concentrant sur les bénéfices. La Grande-Bretagne et l'Inde ont lancé mardi un plan visant à améliorer les connexions entre les réseaux électriques mondiaux afin d'accélérer la transition vers une énergie plus verte. La dernière session a vu les actions Twitter chuter de 1,7%. Selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché survendu. La paire euro-dollar a connu une correction baissière lors de la dernière session, chutant de 0,1%, l'indicateur MACD indique un mouvement baissier. La livre sterling a légèrement baissé de 0,2% par rapport au dollar lors de la dernière session, l'indicateur Williams indique un marché survendu. La paire dollar-australien-dollar américain s'est effondrée de 1,1% lors de la dernière session, le signal haussier de l'indicateur ROC est conforme à l'analyse technique globale. L'évolution ADP de l'emploi aux États-Unis sera publiée à 12h15 GMT, le PMI ISM des services aux États-Unis à 14h GMT, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt aux États-Unis à 18h GMT, l'évolution du chômage en Espagne sera publiée à 8h GMT, le taux de chômage de l'Autriche à 8h GMT, le PMI Market des services en Grande-Bretagne à 9h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.